comme vous pouvez bien voir, il y a déjà beaucoup de monde ici devant le Martinez, alors que ça n'a même pas commencé officiellement. Et c'est là que je vais loger. Donc, c'est parti. Regardez la bouilloire, les sachets café, le mini bar ici. En fait, tout est très 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 unique. Hein. La différence entre un palace de luxe comme celui-là et les hôtels ordinaires, elle est dans les détails en fait. Tout compte ici. Hein. Il n'y a rien qui passe inaperçu. Tout doit être parfait, tout doit être vraiment luxueux et tout ça. Et c'est même les détails des portes. Regardez la porte, je sais pas si on peut bien le voir comme ça dans la vidéo, mais ici, ça se voit que le matériau qui a été utilisé, le vernis, il est différent, ça se voit que c'est d'une qualité supérieure, c'est pas... Regardez la salle de bain, il y a trois types de lumière, hop, day, night and master, parce que c'est ça. Regardez tous les produits auxquels on a droit, hein. Là, il y a un sèche-cheveux. Là, il y a tout ça, il y a plusieurs serviettes. Là, il y a la cuvette. Là, il y a des peignoirs. Je pourrais les prendre et aller à la piscine peut-être tout à l'heure. Et puis là, il y a la douche. Regardez, hop, les détails. C'est vraiment très chic. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que la plupart des vedettes Hollywood logent ici quand elles viennent à Cannes. Allons-y. Alors, je me suis douché. Donc là, on va faire un petit tour de l'hôtel, hein. On va voir ce qu'il y a, on va voir qui c'est qui est déjà là. Allez, c'est parti. You keep saying you got something for me. Something you call love. On se trouve maintenant dans le lobby du Martinez, devant l'entrée, comme vous pouvez bien voir. Il y a beaucoup de monde ici, hein, à l'extérieur. Il y a tout le monde qui arrive en ce moment, il y a toutes les stars qui arrivent. J'aimerais bien avoir des autographes ou des selfies. Donc, on attend aussi. Alors bonjour, on est le 14 mai là. Il est à peu près 8h40 du matin, je pense. Je suis ici dans ma chambre, Martinez. Je viens prendre mon petit déjeuner en bas. Et en revenant dans la chambre, en passant dans le couloir, j'ai vu à côté un garde du corps qui était debout devant la porte d'une chambre. J'imagine qu'il y a quelqu'un d'important là, qui est logé juste à côté. C'est peut-être Elle Fanny ou Margot Robbie, parce que je sais qu'elles sont là à l'hôtel. C'est peut-être Julianne Moore aussi, parce qu'elle est là aussi. Et je sais pas, je ne les ai pas encore vues. En tout cas, le festival commence aujourd'hui, donc il y aura beaucoup d'activités ici, donc j'ai hâte de voir tout ça. Donc là, je vais me brosser les dents, et je vais quitter cette chambre, je vais aller voir ce qui se passe dans cet hôtel, parce que là, il y aura de l'activité. Allez, à toutes. Voilà, c'est le 72e festival de Cannes. C'est parti. So goodbye, yellow brick road.
devant le palais des festivals là. Et ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'obtenir une accréditation tout simplement pour pouvoir assister à la projection, à la première projection du festival. Je vais rester devant le palais, puis je vais afficher comme ça un petit message comme ça, comme quoi je demande une accréditation et on va voir si ça marche. C'est parti. Regardez qui est là derrière moi, Julianne Moore. Ouais. Très belle, n'est-ce pas? Voilà, elle est là derrière moi, ici, dans le lobby du monde. Là, les artistes vont partir tout de suite. On va essayer d'avoir des selfies des autres. Pardon. Excuse me guys. On the left. Pardon. Excuse me. Could I have an autograph, please? Hello. Just a selfie, please. Thank you. Isabel Goulart. Thank you for being here. Let's. Thank you. Have a peace. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Red beat. Yeah.
I knew that I was.